Il est important de rajouter d'autres fonctions telles que les liaisons engrenages. Cette pièce est en fait une perceuse manuelle que j'ai eu à modéliser. Vous pouvez observer la vue en coupe. Dans la vue en coupe apparaissent divers détails que je montrerai plus tard. Et pour faire disparaître la vue en coupe, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. La vue en coupe permet de montrer des détails qui ne sont pas vus à l'œil nu. Comme par exemple le système de cirage ou encore le système de blocage. C'est ainsi que vous pouvez réaliser des modélisations des liaisons engrenages sur le logiciel SolidWorks. Pour ceux qui souhaitent montrer les vues en coupe, vous n'aurez qu'à venir cliquer sur Vue en coupe. Ici, vous sélectionnez le type de vue que vous voulez. Moi, je veux juste une vue simple. Donc, je n'aurai qu'à sélectionner le plan sur lequel je veux que la vue s'effectue. Une fois que le plan est sélectionné, il est possible de sélectionner les composants qui ne seront pas coupés ou bien des composants qui vont apparaître. Une fois tous ces détails réalisés, vous n'aurez qu'à valider. Pour ceux qui sont intéressés par les vues en coupe, vous n'aurez qu'à écrire en commentaire et je ferai des vidéos pour vous mieux vous expliquer. Une fois validé, une fois validé, vous n'aurez qu'à observer vos vues en coupe. Et si vous souhaitez les désactiver, vous n'aurez qu'à cliquer là sur désactiver les vues en coupe. Et c'est fini. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. On se retrouve dans un prochain tutoriel. Je vous remercie pour le visionnage.